C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Fumbo Ida. Et vous habitez quel quartier? Et plus précisément, Bangwa. Alors pourquoi vous avez décidé de participer à cette formation? Oui, la formation m'a intéressé parce que déjà, je peux gagner un peu d'argent et puis aider même la population parce que bon, il y a des quartiers qui souffrent pour l'eau. Si je peux déjà les apporter. Cela, ça va beaucoup aider le quartier. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris durant cette période? C'est combien de temps déjà? Jusqu'à c'est déjà la quatrième semaine qui s'écoule comme ça. Là. Qu'est-ce que vous avez appris donc? Premièrement, on a commencé par faire les valves. Oui. Et puis on a fait les valves de pied. On est déjà allé quand même sur des sites et puis on a mis la pompe sur pied. Oui. On a pompé, on a vu. À partir de là, ça nous a encore beaucoup encouragé. Oui. Bon, précisément maintenant, nous sommes ici pour faire la perforation manuelle. Oui. Bon, déjà, nous sommes fauchés parce qu'il y a un peu de cailloux là qui nous dérange. Mais sinon, nous sommes en train de voir ce qu'on va faire dans les jours à venir. Déjà, le projet est très bien. Bon, parce que sans ce caillou, on devait vraiment aller plus loin. On devait trouver l'eau aujourd'hui. Oui. C'est le caillou là qui nous a empêché de trouver de l'eau. Sachant que les cailloux peuvent empêcher la perforation manuelle de fonctionner, vous avez appris autre chose, non? Oui. La deuxième semaine, c'était quoi? C'était la capturation. Un réservoir souterrain. Oui. Oui. Pour capter quoi? Pour capter de l'eau. Oui. À partir de la maison, on capte de l'eau. Oui, de l'eau de pluie. L'eau de pluie. Et on fait un filtre. La semaine passée, nous avons fini avec notre formation là. Oui. Oui, on a capté l'eau et puis on a fait le réservoir souterrain. Oui. On a capté l'eau. Donc et cela est déjà fini. On a mis la pompe. Ok. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui vont regarder cette vidéo et qui n'ont pas participé? Non, ceux qui vont regarder la vidéo et qui n'ont pas participé, qu'ils essayent de réfléchir eux-mêmes, à savoir si ils peuvent aussi venir se former ou bien qu'ils peuvent s'approcher de nous, ceux qui sont ici. Ceux qui ne sont pas ici, bon, ils peuvent réfléchir autrement et poser les questions comment ils peuvent se comporter. Oui. Pensez-vous que cet apprentissage, que cette formation sera bénéfique pour la communauté? Non, ce sera bénéfique. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci.